Hey les potes, c'est Bayzy, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur MW3. Donc pas une surprise comme sur Black Ops 2, parce que je vous avais déjà fait la surprise de faire un truc au fusil à pompe. Mais là voilà, comme vous avez été nombreux à commenter, et ça d'ailleurs ça m'a fait super plaisir, un grand merci à vous. Un grand merci à vous pour avoir commenté en masse et m'avoir fait chaud au cœur comme ça. Parce que franchement, tout ce que vous m'avez dit dans les commentaires de la vidéo, ça m'a fait super plaisir. Et j'ai vu aussi que vous avez kiffé les vidéos au fusil à pompe, donc ça me fait super plaisir aussi. C'est pour ça que je vous en refais une, mais cette fois-ci sur MW3. Et comme ça, je pourrais vous montrer pourquoi il n'y a pas de LDA aussi en vidéo. Voilà, vous aurez une preuve. Donc voilà, c'est parti. Je vérifie que tout règle bien. C'est parfait. Donc voilà, aujourd'hui, Space 12 sur MW3. Donc la Space 12 qui était déjà un fusil à pompe sur MW2. Bon, sur MW2, il était en arme secondaire, comme les fusils à pompe étaient en arme secondaire sur MW2. Mais sur MW3, comme les fusils à pompe sont passés en arme principale, il est passé aussi en arme principale. Donc voilà, j'ai pu faire quelques games d'échauffe. Je suis monté niveau 4, donc c'est quand même assez difficile. J'avais une co pas trop bien. Donc voilà, on est parti juste pour une partie de Domi. J'espère que... Enfin, je vais essayer de trouver une partie qui n'a pas commencé. Oh putain, Dôme au fusil à pompe, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est le kiff total. Donc voilà. Et pour reparler de la vidéo, ça m'a fait super plaisir, énormément plaisir. Tout ce que vous m'avez dit, continue. Un jour ça va payer. Tu vas continuer à monter, ta communauté va continuer à monter, etc., etc. Ça m'a fait super plaisir. Et donc voilà, je peux que vous dire, marquez-moi dans les commentaires encore une fois, tout ce que vous voulez, likez, abonnez-vous, partagez, voilà, parlez-en à vos potes, etc., etc. Franchement, voilà, et surtout commentez, parce que ça me fait énormément plaisir et ça montre que je fais pas ça pour rien en fait. Voilà, c'est ça montre qu'il y a quelqu'un derrière qui regarde mes vidéos et qui apprécie. Surtout, voilà, c'est ça, c'est apprécier et le dire en commentaire. Et ben, ça me fait énormément plaisir et bah, je vous remercie infiniment pour ce que vous Oh ouais, par contre ça c'est de la zub. Le mec il a un striker là, ça c'est de la zub. Donc c'est un petit peu difficile quand même, hein, de se remettre avec ce fusil à pompe. Mais bon, ah ouais, dommage. Donc j'ai 4 barres, prions pour que je reste à 4 barres. Franchement, ça serait un petit peu con que... Ah, c'est de la zub ça. Donc c'est vrai aussi que sur... Waouh, mais on se fait déglinguer. Mais oh là là, mais ils font du spawn kill. Oh, c'est abusé. Ah ouais, 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 cours, cours, cours. Bon, faut un petit peu les niquer là, parce que sinon on est dans la merde. Oh là là, il y a un drone. Je sens que je vais me faire tuer. Non mais, ah, c'était ça. Non mais le mec il campe au striker comme ça. Alors, j'espère que je vais pas faire de la merde, s'il vous plaît. Parce que là, franchement, ça serait vraiment horrible. Voilà. J'espère que je vais pas faire de la merde, parce que ça serait vraiment horrible de faire de la merde. Surtout pour une vidéo. C'est vraiment le truc le plus haut. Mais qui... Non mais attends, mais c'est sérieux là. Tout le monde campe sur ce jeu. Et même les parties d'échauffe que j'ai fait, d'échauffe, tout le monde, sans exception, campait. Je sais pas ce qui arrive. Bon, je vais essayer de camper un peu. Bah ouais, attends, je vais faire comme eux. Écoutez, en plus, je suis au fut. Ah, je me barre. Oh, direct. Par contre, je me suis flash tout seul, voilà. C'est pas grave, c'est vrai que... Oh, le plus, ça m'illumine le visage. C'était pour que vous me voyez mieux, voilà. Tout simplement. Hop, oh putain. Alors voilà, MW3, les fusils à pompe, c'est vrai que... C'est pas mal, franchement, c'est pas mal de jouer au fusil à pompe sur MW3. Après, même s'il y a plus de diversité dans les fusils à pompe, je préfère quand même jouer sur Black Ops 2. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est parce que j'ai plus joué à Black Ops 2 qu'à MW3, ou plus kiffé, mais franchement, entre une Remington et une Space 12, bah, je choisis direct la Remington, quoi. Enfin, c'est pour vous dire. Non, mais c'est de la zeub. Et en plus, franchement, les noscopes avec ce fusil à pompe sont super difficiles. Sérieusement. Non mais, oh putain. Et le mec me met un truc de ouf. Faut vraiment que je revienne, je fais du 3-8 là, 3 assistances. Mais ça pue sa race quoi. Oh yeah, je l'ai eu. Faut pas désespérer, voilà, je peux revenir. Non, bah ouais, non, mais j'espère que je bug pas. Parce que là j'ai l'impression que je bug mais comme un ouf. Alors on va essayer de faire les fonds de map. Mais en fait, faire les fonds de map sur MW3, sur Dome, c'est un peu plus chaud.
que la normale parce que c'est une toute petite map. D'une part. Voilà. Et d'une autre. Voilà. Et d'une autre part. Ah non non oh, c'est de la. Oh putain, yes. Oh putain. Et le truc qui est chiant aussi avec le fusil à pompe, ce que je comprends pas, c'est que ça met 10 000 piges à. Non putain, en plus j'ai appuyé. Ça met 10 000 piges à t'afficher le kill, à t'afficher que t'as le kill. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais ça met trop longtemps à t'afficher que t'as fait le kill quoi. Et c'est vraiment déroutant parce que tu sais pas si t'as fait le kill ou quoi. Et t'essaies encore de tirer sur le mec. C'est ça qui est un peu casse-couille, mais bon. Putain, je vais tirer des trucs de partout. Donc j'essaie de prendre les pauses un minimum aussi. Je vois que mes coéquipiers ne sont pas très très objectifs. Mais voilà. Je vais essayer de le faire moi. Ouais, je vais prendre le B. Voilà, je joue au fusil à pompe, mais je joue un petit peu objectif aussi. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, marquez tout ce que vous voulez dans les commentaires. Mais aussi, des fois, je vous poserai des petites questions, bien entendu. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que que je vous fasse encore des vidéos fusil à pompe. Voilà, des vidéos au fusil à pompe. Qu'elles soient diversifiées, des défis au fusil à pompe. Voilà, en LDA, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires des défis au fusil à pompe. C'est vrai que ça se fait pas très très souvent. Et encore une fois, voilà, les vidéos fusil à pompe sur YouTube, ça se fait. Non. Oh putain. Ça se fait pas trop par. Non putain, mais. Et encore un campeur. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos fusil à pompe. Alors pourquoi pas me spécialiser là-dedans, mais voilà, mais je le ferai que si vous kiffez. Voilà, que si vous kiffez tout simplement. Et que si vous me le demandez, bien entendu. Je vais essayer de camper là, en plus c'est bien caché. Ah non, c'est de la zeub. Bâtard. Je sais pas s'il y a des gens sur Bravo. Ah bah oui, il y a des gens. Voilà, je me disais aussi, j'avais vu un petit truc. Oh putain, lui, faut que je les tue. Non, dommage, dommage, fais chier. Alors voilà, les fusils à pompe font pas beaucoup d'hitmarker. Ils sont assez puissants. Après, c'est vrai que il aurait pu être. Franchement, il aurait été super efficace si le rechargement se faisait plus vite. C'est vrai que le rechargement se fait un petit peu plus lentement. Donc c'est un peu chiant de comment ça s'appelle, de recharger et d'enchaîner les kills. Faut vraiment gérer ça en fait. Faut vraiment essayer de gérer ça, le rechargement. On va perdre C, mais le mec il est où? Non. Voilà. Oh putain, je l'ai eu. Voilà, faut apprendre à gérer, c'est vrai. Voilà. Oh putain. Non. Oh non, c'est de la zup. Deux hit markers, ça me fout les morts. Donc voilà, sur. Après, sur un W3, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de jouer au fusil à pompe. Que sur le Black Ops 2. Peut-être que c'est le jeu qui s'y prête moins aussi. Par rapport aux maps, etc. Donc sur Dome, c'est pas très très compliqué de jouer au fusil à pompe, c'est vrai. Y a des bons déplacements à faire. Oh non, c'est de la zab. Y a des bons déplacements à faire. La map est petite, etc. Voilà, sur des maps comme Fallen, j'ai fait une partie d'échauffement sur Fallen et c'était vraiment horrible. En plus on s'est fait démonter. Donc voilà, déjà quand t'arrives pas à jouer, quand t'arrives pas à avoir les bons déplacements et quand t'arrives pas à faire de kill, que la game est nulle, et ben franchement c'est horriblement jouable. Franchement c'est horriblement jouable. Non mais oh, je lui ai tiré dessus en plus. C'est de la zeub. Et donc voilà, j'espère franchement que vous allez continuer à kiffer autant mes vidéos. J'espère que vous serez aussi nombreux à regarder cette vidéo que la vidéo Black Ops 2. Donc dites-moi, voilà, redites-moi. Franchement, vous faire des vidéos Black Ops 2 au fusil à pompe encore. Et ben dites-moi dans les commentaires et je n'hésiterai pas une seconde à le faire, ça. Je n'hésiterai pas une seconde parce que Black Ops 2 fusil à pompe, c'est vraiment un truc que je kiffe. C'est un truc qui me parle, voilà, tout simplement. Oh putain, le shoot que j'ai mis là. Oh, je suis chaud là. Oh là là. Oh putain, en plus, je suis monté de niveau. Assassin. Aïe aïe aïe. Oh putain, dommage. Et voilà. Après, c'est vrai que quand tu fais beaucoup de kills, c'est vrai que ça. C'est super plaisant, voilà, c'est super plaisant. Après, sur Black. Merde. Non.
Yes. Après, c'est vrai que sur MW3, voilà, faut se remettre dedans. C'est pas le même gameplay qu'un Black Ops 2, qu'un Advanced Warfare. Donc, faut un peu se remettre dedans. C'est pas la même dynamique. Oh, putain, j'ai cru que j'allais faire la collate. La collate fusil à pompe. Oh non, c'est de la zone par contre, ça c'est de la zone. Et ben tiens, un petit 25, ça me fait super plaisir parce que les games d'échauffement, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire en... Oh merde. Qu'est-ce que je vais... Oh merde, mais il était là le mec. Qu'est-ce que je vais faire en... En vidéo si en game d'échauffement je fais de la merde comme ça. J'avais un peu peur de ça. Mais du coup, bah c'est cool, c'est bon. Hein. Bon, j'essaie un petit peu de jouer l'objectif les gars quand même, hein. Aidez-moi. Je vois qu'il y a personne sur le B avec moi, c'est magnifique. Tu te sens aidé en fait. Waouh. C'est bon que ça bug un peu? Non, même pas. J'ai toujours l'habitude de que ça bug maintenant. Voilà. On peut y arriver, on peut y arriver, les gars. Oh non, putain, je voulais le tuer, le mec. Dommage. Pourquoi il. Ah, mais ils campent tous au milieu. Oh les bâtards. Ok, bon, on va y aller, écoutez. Hein. On va aller déloger tout ce petit monde. Putain, j'avais dopage, j'étais chaud patate. Mais meurs quoi. Oh non mais là j'ai tellement pas géré. Putain ça me fout les morts. En fait le truc à gérer c'est aussi quand tu veux faire des kills vite que t'as fait. Non mais que t'as fait un hitmarker sur le mec c'est en même temps que ça se recharge. En même temps que le space 12 recharge faut viser. Mais après faut gérer le shoot aussi voilà. Et c'est ça qui est un petit peu plus chaud. Alors pour parler du space 12 moi j'utilise plutôt le space 12 en visant. C'est vrai qu'il y a des fusils à pompe qu'on utilise comme la Remington sur Black Ops 2. On l'utilise plus, c'est vrai, pour faire des no-scopes. Mais voilà, ça dépend des fusils à pompe. Et le Space 12, après pour des joueurs plus expérimentés, bien entendu, je vous conseille de faire ce que vous voulez. Voilà, tout simplement, la façon avec laquelle vous vous sentez le mieux. Mais pour l'instant moi vu comme je viens de reprendre etc, moi j'utilise plutôt cette façon. Alors après voilà, c'est qu'un conseil que je vous donne hein. Non mais ça me fout les morts, c'est... Putain, j'ai fait encore un hitmarker. C'est vrai que tu leur mets beaucoup de dégâts même en faisant un hitmarker. Et après forcément c'est ce qui est casse-couille, c'est de remettre une autre balle pour essayer de les tuer. Mais meurs quoi. Ah bah voilà enfin. Franchement j'aurais eu les boules si j'aurais pas fait le kill. Oh putain je me cache. Oh non il m'avait vu. C'est ce que je me disais, il m'avait vu, mais voilà. Bon un petit 27-30, voilà, j'aurais quand même galéré, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de jouer au fusil à pompe. En plus les gens adverses étaient chaud patate. Et donc voilà, en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc petite vidéo de 12 minutes, c'est vrai. Pas beaucoup, c'est parce que j'ai pas trop beaucoup le temps de vous faire une grande vidéo. Et donc voilà, en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme dans la dernière vidéo. À vous abonner. À parler à vos potes, à lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Et voilà, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, faire des critiques construites, etc., etc. Me dire si vous kiffez les vidéos fusil à pompe et si je vous en refais. Et donc voilà, en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao les potes, peace!